Est-ce que ça va mieux là? Le son est en option, c'est pas très sympa ça. Je fais de mon mieux, hein. Est-ce que ça marche? Ça y est, ça fonctionne. Je suis sûre que ça fonctionne. Yes, ça y est. Bonjour tout le monde, ça y est, on y arrive. Coucou Karine, bienvenue à toutes et à tous. Je suis désolée pour ce petit bug de son. Il y a des petites galères, voilà. Sûrement un problème avec mon logiciel ou ma caméra, mais j'arrive toujours à régler le problème. Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir. Bienvenue, bienvenue, je crois qu'il y en a des petites nouvelles. Coucou Nathalie, Maretine et Mamour, Martine, Viviane, Candice, Fabienne, Muriel, ma petite Fabienne, coucou maman, Delphine, Christine, Bernadette, Rachel, Sandrine, Nadine, Evelyne. Il y en a plein. Coucou ma Cathy, je t'embrasse très fort ma bichette. Coucou Mumu. Hello tonton. Bonjour Lynn. Coucou Evelyne. Bonjour Karine. Son de l'au-delà. Coucou Virginie. Ça y est, j'essaye de faire tout défiler. Mamour, on est prudent au volant. Bienvenue tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine, en ce mercredi après-midi. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, de partager cette vidéo, voilà, sur vos murs, sur vos groupes favoris. Voilà. Si vous voulez me donner un coup de main, partagez, ça me fera un grand plaisir. D'ailleurs, je tenais à vous faire remarquer que depuis aujourd'hui, vous êtes 1600 abonnés sur ma page Facebook. Donc, grand, grand, grand merci beaucoup à vous tous et toutes, parce que sans vous, ça n'existerait pas. Coucou ma petite Gaëlle, mais oui, t'inquiète pas, bon courage pour ton rendez-vous. Coucou Karine, coucou Audrey, coucou Florence. Je suis un petit peu excitée aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi dans 10 secondes. Mais avant, je vais me présenter pour celles et ceux qui nous découvrent, qui nous rejoignent pour la première fois. Pas de problème, tonton. Non, Mamour, ne chavire pas pendant que tu conduis, ce n'est pas raisonnable. Donc, je suis Harmonie, je suis démonstratrice Stampin' Up! Depuis janvier 2020. Et nous nous retrouvons chaque semaine le mercredi après-midi à 14h. Pour un live créatif, une petite heure ensemble, histoire de se retrouver dans une petite bulle, de faire un petit projet créatif sympa, et puis de papoter, rigoler un petit peu, et puis de se raconter nos vies aussi, c'est pas mal. On est heureux et heureuse de se retrouver chaque semaine. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire. Je serai très très heureuse de vous accueillir et de vous faire un petit coucou. Et puis les habitués aussi, j'en suis sûre. Je vous disais que je suis un petit peu excitée aujourd'hui parce que certains ou certaines d'entre vous le savent. J'étais donc au Portugal la semaine dernière pour rejoindre mon petit frère que je n'avais pas vu depuis longtemps, ma petite belle-sœur et mon petit neveu. Coucou Sandrine! Et en fait, on a appris ce matin à 5h30 que ma petite belle-sœur qui est enceinte est rentrée à l'hôpital. Donc on attend incessamment la naissance du petit neveu. Voilà, donc c'est pour aujourd'hui, ça c'est sûr. Merci Florence, c'est trop gentil. Donc voilà, maintenant je trépigne depuis 5h30 ce matin que j'ai eu le message de mon petit frère. J'ai hâte, j'ai hâte. Bon, c'est vrai qu'il est loin, mais voilà, on est quand même content de partager ça. Donc voilà, ça embellit encore plus la journée. Puis je vous retrouve aujourd'hui. Donc voilà. Que du bonheur, tout ça fait du baume au cœur. J'ai eu hier la visite d'une de mes filleules chéries, ma petite Maretine avec son chéri. Ah, voilà, que d'amour, ça fait du bien, ça remplit. Alors merci beaucoup à toutes et à tous pour tout ça, pour tout ce plaisir, tout ce partage. C'est vraiment, c'est voilà, je suis consciente de la chance que j'ai, donc merci beaucoup, c'est grâce à vous. Les infos de la semaine, les kits sont toujours disponibles, vous le savez, hein, les étiquettes pour les cadeaux de Noël, tout ça, les petits sachets, c'est toujours dispo sur ma boutique en ligne, donc n'hésitez pas. Pensez à utiliser donc le code hôtesse pour pouvoir recevoir un petit cadeau de ma part le mois suivant. Donc attention, c'est pour les commandes inférieures à 200 euros, vous le savez.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les clubs, vous le savez, sont toujours d'actualité. Les inscriptions donc sont toujours possibles. Le club des Unis pour obtenir les pads et les papiers unis. Et vous avez également le club des Blends. Voilà, mes petits chouchous, les Blends que j'adore. Et puis, j'ai lancé cette année mon tout premier calendrier de l'Avent. Il a l'air de beaucoup vous plaire. En tout cas, les inscriptions ont bien démarré. Donc, ça me fait super plaisir. Je vais vous le montrer là rapidement pour que vous ayez une idée. Et puis, si ça vous intéresse, il vous suffit d'aller sur mon blog harmoniescrap.fr. Donc, harmoniescrap en attaché, vous avez l'habitude. Et puis voilà, vous avez dans les articles du kit du calendrier de l'Avent et vous pourrez vous y inscrire sans problème. Je vous fais découvrir ça tout de suite. J'essaye de le prendre sans tout faire tomber. Je vais me reculer un peu. Voilà. Donc, les petits gnomes ne font pas partie du kit, hein. Je les ai mis pour décorer un petit peu, mais du coup, je suis sûre qu'avec toutes vos décos de Noël, vous pourrez en faire autant. J'ai ajouté une petite guirlande. Voilà, une petite guirlande lumineuse. Et puis, du coup, vous avez donc les petites boîtes qui s'ouvrent comme ceci. Voilà. Hop. Coucou Nati, comment tu vas, ma belle? Donc, voilà, c'est le projet que je vous propose. Donc, avec ce kit. Donc, vous aurez bien sûr accès au tutoriel. Au format PDF, une vidéo explicative bien sûr et tout le matériel pour bien sûr réaliser donc ce calendrier de l'Avent. J'espère qu'il va vous plaire et moi j'ai déjà commencé à faire les découpes des chiffres parce qu'il va vous falloir quelques-uns. Je vous mets hop, alors attendez, faut que je le retrouve. Qu'est-ce que j'en... Ah, il est là, il se cache. Voilà, donc vous avez le kit, plus le tuto vidéo, plus le PDF. Donc pour 20 euros hors frais de port. Et puis vous pouvez ajouter, si vous le souhaitez, soit le set de tampons, soit le lot tampons poinçons. Voilà, vous pouvez choisir ces trois options. Et les inscriptions, donc, sont ouvertes. N'hésitez pas. Allez-y, je vous attends. Alors, le projet d'aujourd'hui, une carte à pliage originale. Tiens, dites-moi juste avant que je vous remonte la carte. Coucou Chantal. Est-ce qu'il vous plaît ce petit calendrier de l'Avent? Des petits pouces, des petits cœurs? Dites-moi ce que vous en pensez, ça me ferait plaisir. La carte à pliage originale, c'est une carte, encore une fois, très simple, adaptable, bien sûr, à tous les événements, à toutes les occasions. Ah, chouette, je vois plein de petits cœurs et de petits pouces. Génial. Ça aussi, ça fait du bien. Ça a un côté rassurant de savoir que, du coup, les projets que je vous propose vous plaisent. Donc, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Donc, une carte adaptable à toutes les occasions, que ce soit... Merci, Lynn, c'est adorable. Que ce soit les cartes de vœux, les cartes d'anniversaire... potentiellement les cartes de condoléances parce que parfois on a aussi des cartes de condoléances à faire malheureusement. Merci Gazelle. Voilà, toutes occasions pour pouvoir réaliser cette petite carte à pliage originale qui vous verrez est très simple à faire. Très très simple à faire. D'ailleurs, j'aime bien vous proposer des projets assez simples qui s'adaptent à tout. C'est aussi ça qui est sympa. Regardez, hop. Donc là voilà, je vais me décaler un petit peu. Hop. En plus, l'avantage, c'est qu'elles peuvent être posées donc, en décoration chez le ou la destinataire à qui vous l'envoyez. Donc, c'est assez sympa. Des petits panneaux latéraux. Hop. Et voilà le message qui peut être écrit à l'intérieur. Donc, elle se ferme hein, tout simplement. Voilà. Décidément, j'ai du mal avec ma gauche et ma droite. Hop. Voilà. Vous la voyez fermée. Et du coup, quand la personne la reçoit, eh bien, elle peut tout simplement, hop, la poser comme ça sur une table ou une étagère. Voilà. Bah, c'est tout simplement le projet qu'on va réaliser aujourd'hui. Je vais vous montrer bien sûr un petit peu en détail la collection que j'ai utilisée pour cette création. Et puis ensuite, je vais vous présenter celle avec laquelle je vais travailler aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire.
Alors, vous êtes partant, partante? On y va? On découvre tout ça? Allez, hop, c'est parti. Donc, je vous la remontre un peu mieux ici. Donc, vous voyez, quand elle est posée, hop, voilà. Ça permet à celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant de découvrir le projet du jour. Donc, cette petite carte à pliage originale, ou en anglais, Fun Fold Card. Vous noterez mon super accent anglais. On ne se moque pas, s'il vous plaît. Voilà, hop, voilà, on se calme. Et voilà, du coup, elle est posée. C'est super sympa. C'est accessible à tous les niveaux, ça c'est sûr et certain. Voilà, même si vous démarrez dans le scrap, aucun problème. Coucou Monique, oui, bien sûr. Un gros bisou à ton petit-fils, ma belle. Voilà. Alors. Ici, vous reconnaîtrez, je vous en ai parlé déjà, je crois, la semaine dernière, la collection pain d'épices et bonbons. J'adore cette collection. Et je vais vous montrer d'ailleurs ici mes petites cloches. Et bien simplement, je les ai découpées dans le papier design. Parce que ça aussi, c'est possible. Merci, ma mumu. Le fameux papier design, c'est celui-ci, donc pain d'épices et bonbons. Nous sommes sur du papier en 15 par 15. Oui, Sandrine, bon courage pour le boulot, ma belle, et bon après-midi à toi. À très très vite, j'espère. Donc, vous le trouverez à la page 9 de votre mini-catalogue août-décembre. Voilà, vous avez l'habitude de la présentation. Ici, vous avez les papiers recto, verso. Voilà, pour chacun de ces papiers, ça fonctionne par deux. Toujours avec ici bien sûr les papiers unis qui vous sont présentés, les coordinations de couleurs qu'on aime tant. Rouge rouge, vert olive, couleur café et cidre à la cannelle. On part vraiment sur du Noël traditionnel, mais ça aussi vraiment son charme, on est bien d'accord. Est-ce que vous la connaissiez cette collection? Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que vous l'aviez déjà remarquée ou pas? Dites-moi. Et du coup, hop, je vous montre la deuxième partie, parce que du coup, il y a beaucoup de modèles. Et vous voyez où est-ce qu'elle est? Ici, donc c'est le papier là où vous ne voyez pas très bien, mais c'est le papier où il y a donc ces fameuses cloches que j'ai découpées, du coup, pour décorer ici ma petite carte. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me faire des petits coucous en commentaire. Vous le savez, nous sommes constamment embêtés par ces satanés marabouts. Et par moments, je n'ai plus de commentaires. Je ne vois plus si les gens sont connectés. Donc, n'hésitez pas régulièrement à me faire des petits coucous, puisque là, je vois que les personnes qui sont connectées réduisent comme peau de chagrin. Je ne sais pas pourquoi. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou, que je sache si vous êtes toujours là. Et puis si ça vous plaît, partagez la vidéo, ça me fera très plaisir. Merci ma mumu, c'est trop gentil. Aujourd'hui, je travaille avec la collection La Terre en beauté, qui cette fois est une collection du catalogue annuel. Merci pour vos petits pouces, c'est gentil. Au moins, je vois que vous êtes toujours là, c'est rassurant. Donc, Terre en beauté, catalogue annuel, une super collection d'automne qui peut aussi partir sur le printemps quand même, on peut l'adapter, et aussi sur l'hiver. Donc, vraiment une super belle collection avec tout un tas de couleurs uniques coordonnées, vous voyez. Vraiment, on a le choix dans nos créations. Donc, ça, c'est vraiment top. Toujours là avec mon petit-fils de 2 ans qui fait ses collages de gommettes. Oh, c'est trop mignon. Bientôt, mamie, elle va avoir des petites gommettes collées partout. Oui, Mumu, elle est vraiment très belle cette collection. Il y a vraiment énormément de possibilités avec elle. On peut s'amuser vraiment avec plein plein de choses. Coucou Marotine, je te vois avec tous tes petits pouces. Donc voilà, c'est avec cette collection-là que je vais travailler aujourd'hui. Vous avez l'habitude, pour celles et ceux qui me suivaient toutes les semaines, et je vous l'annonce pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, à la fin du live, vous retrouverez la vidéo en replay, vous retrouverez le tuto en PDF sur mon blog et la liste de tous les produits que j'aurai utilisés pour la réalisation de ces 2 cartes. Et surtout, n'oubliez pas, vous le savez, maintenant chaque semaine, je vous propose de publier vos créations
pour que ce soit vous maintenant qui m'inspiriez moi et qui inspiriez les autres avec vos créations. Donc vous postez en fait vos créations en commentaire sous le live, d'accord? Vous avez jusqu'au jeudi soir pour le faire. Et ensuite, je tirerai une personne au sort et je lui enverrai une des deux créations. Donc soit la première carte de présentation, soit la carte que j'aurai réalisée en live, la personne choisira. N'hésitez pas à les poster, comme ça chacun et chacune pourra voilà, avoir des idées supplémentaires selon ce que vous aurez utilisé comme collection, comme thème, etc. Donc n'oubliez pas de poster vos créations. Rachel, il faut que tu cliques dans les commentaires ou réponses sous le live et tu verras normalement, et que tu cliques sur le petit appareil photo, tu pourras aussi sans problème publier ta création, ma belle. Ok, c'est bon, j'arrive à suivre, je regarde un peu vos commentaires en même temps. Alors, pendant le live, vous allez voir ici s'afficher les mesures qui ont décidé pour l'instant de se cacher. Les petites coquines, bougez pas. Hop, descendre, monter. Faut que je monte d'un cran, que je descende d'un cran, les images et tout ça. Voilà. Eh ben non, elle veut pas. Oh, aujourd'hui, la technique a décidé de m'embêter. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Qu'est-ce que je vais baisser là? Coucou Francesca, comment ça va? En forme aujourd'hui? Montée d'un cran. Non. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. De toute façon, les mesures, je les ai marquées sur mes papiers que je vais utiliser au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas de souci. Je vous affiche déjà tout de suite le schéma de base pour la base de la carte que nous allons réaliser. Ici, nous allons faire un pli, nous aurons deux autres plis dans l'autre sens et puis simplement une petite découpe et voilà. Du coup, on va la transformer en fait un peu comme un T. Vous allez voir, c'est très simple. Ok, c'est parti. Alors, on y va. Je prends mon matériel. Si je ne regarde pas du bon côté, du coup, j'ai un coup de stress parce que je me dis « Où est mon matériel ?» Mais il est là, pas de panique. Voilà, voilà. Hop, je vais mettre tout ça de côté, voilà, ça c'est ma carte qui va aller sur le dessus, hop, ça c'est partout, je vais juste me garder pour l'instant, hop, ma base de cartes. Donc je suis sur, vous l'aurez reconnu, du Mystérieuse Brume, ok, avec un morceau de papier qui mesure 24,8 par 21 cm. Ok, alors je vais le mettre là. 24,8 par 21 cm. Hop. C'est bon. Donc, je prends mon coup de papier en attendant que... Voilà. Merci ma petite mémuche, je savais que je pourrais compter sur toi. Hop, et je vais donc venir faire mes plis. Hop, là, c'est nickel, vous voyez bien. Donc, je prends ici... Fabienne, t'as l'air blasée. Donc, je viens positionner le 24,8. Oh là 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 là, ça va venir. Hein. On va pas s'énerver. Le zoom parfois a décidé de me... Tout va bien aujourd'hui. Hein. Allez, petit zoom, sois gentil. Ne me dites pas que c'est flou, je sais. Voilà. 24,8 sur le haut de mon coupe-papier. Et je viens faire un pli à 10 cm. Coucou Elsa, ça va ma belle ? À 10 cm. Ok, je retourne mon papier, donc je viens ici positionner le 21 cm. Mais non, t'es pas vieille ma Fabienne, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Et je viens faire un pli
à 5,3. 5,3. Hop. Donc là, j'ai bien positionné ici le 21 cm et je fais un pli à 5,3 cm. Je vais faire de même de l'autre côté. Donc je retourne complètement mon papier. J'ai toujours le 21 cm ici et je fais à nouveau un pli à 5,3. Voilà. Pour les plis, ce sera tout pour le moment. Hop. Alors, là, comme c'est un peu foncé, je vais marquer un petit peu les plis. Alors, j'ai ma base de carte qui est comme ceci. D'accord? Donc, j'ai ici le pli que je viens de faire à 10 cm. Et j'ai mes deux plis ici qui sont à l'horizontale. D'accord? Il va falloir simplement, je vais essayer de trouver, j'avais mon petit crayon blanc, mais ah je sais, bougez pas. Hop, normalement ça, ça devrait le faire. Le petit crayon craie. Hop, il ne veut pas s'ouvrir. Alors, normalement il devrait se voir. Alors. Je répète, nous avons ici notre pli à 10 cm qui est plus sur la gauche, d'accord? Depuis le bord droit en haut et en bas, on va venir se faire une petite marque à 5,3 cm. Ok? Juste une petite marque. Donc, hop, je viens positionner. Pour les plus habiles, vous pouvez le faire avec le coupe-papier. Donc, est-ce que ça zoome là? Voilà, j'ai fait ma petite marque à 5,3 depuis le bord droit. Et bien sûr, je fais de même sur le bord droit à droite. Hop. Et en fait, il suffit simplement de venir couper jusqu'à la ligne de pli. On s'arrête à la ligne de pli. Hop, je vous remonte le schéma. Vous voyez? Donc là, on vient de faire la petite marque ici et ici à 5,3. Donc on va venir couper ici en s'arrêtant à la ligne de pli et ici en s'arrêtant à la ligne de pli. Et ensuite, on va se séparer, hop, de ces deux rectangles ici et de ceux-là. Ok? Vous arrivez à visualiser, c'est bon? Oui, oui, je sais, Francesca, par moments c'est trouble, ça vient de ma caméra, mais ça revient toujours, donc pas de panique, ça fait, ça va le faire. Ok, c'est bon, le schéma, ça vous aide? Donc, la petite marque à 5,3 depuis le bord droit, en sachant qu'on a le pli ici à 10 cm, et on vient couper, hop, ici, pour se séparer de ces deux rectangles ici, et de ces deux-là ici. Ok, c'est bon pour vous? Alors c'est parti, je vais faire mes découpes. Je vous laisse le schéma ici pour que vous ayez une idée en attendant. Hop, donc je vais venir couper, marquer mes plis, pardon. Couper, que dis-je? Voilà. Donc soit vous venez couper ces fameuses lignes au ciseau, soit vous le faites au coupe-papier, tout simplement. Donc, il suffit... Donc, je retourne, hein, bien sûr. Là, maintenant, je le récupère à gauche. Je positionne le papier à 5,3. Et je me sers de ma lame de coupe. Mais je n'oublie surtout pas de m'arrêter donc à mes lignes de plis horizontales. Donc là, je suis bien à 5,3 en haut et en bas. Hop. Donc je coupe, je m'arrête à la ligne de pli, hop, je déplace ma lame et je fais pareil en haut. Je vais essayer de ne pas vous mettre ma tête sous le nez, ça pourrait être sympa. Voilà, hop, du coup, vous voyez, j'ai coupé là et maintenant je vais venir me séparer
Donc les deux rectangles qui restent, c'est-à-dire ceux-là, enfin les quatre en fait, ceux-là et ceux-là. Coucou Fabienne, comment vas-tu? Aujourd'hui, je fais une carte à pliage originale, toute simple, qui permet de se poser, hop, en exposition pour la personne qui la reçoit. Voilà, donc là, elle est vraiment en position stable. Hop, elle s'ouvre comme ceci. Quand elle est fermée pour l'envoyer, ça donne ça. Voilà. Et donc, du coup, pouf, avec les petits panneaux, on la retient et on peut la poser. C'est magique. J'espère que tu vas bien, Fabienne. Profite bien de ta petite pause. C'est gentil de venir nous faire un coucou pendant ta pause. Allez, je viens donc me séparer de ces rectangles ici. Je pense que c'est assez simple. Hein, parce que tout le monde arrive à suivre. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à me faire répéter. Je le ferai avec plaisir, bien sûr. Voilà. Et du coup, on aura fait l'essentiel. On se sera déjà occupé de la base de la carte. C'est vraiment très sympa. Ça change un peu des cartes qui sont juste pliées en deux. C'est assez fun, je trouve. Hop. Voilà. Donc du coup, ça y est, là, j'ai hop, ma base de cartes qui se fera comme ceci et qui va pouvoir s'ouvrir. Ah oui, le mal de crâne en s'occupant d'enfants, ça doit juste être un enfer, ma belle. Mon Dieu, il n'y a rien de pire que ça. Je sais, tu aurais besoin de calme. Oh là 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 là. Et bah du coup, bon courage. Vraiment bon courage. Alors, hop, maintenant je peux venir marquer mes plis tranquillement. Je dis pas les mots en entier aujourd'hui. Oui, Delphine, tu as tout à fait raison, c'est beaucoup plus pratique. Hop, voilà. Si vous avez des petits raccords à faire, n'hésitez pas. Donc voilà, là, on a la base de notre carte. Il faut que tu tiennes encore 4 heures. Ouh là là, bah, je t'envoie plein de courage, ma pauvre. Donc... Ok, elle se ferme comme ça. Vous avez vu que sur la carte, ici, j'ai rajouté donc cette petite carte, voilà, sur laquelle, je vous disais, j'ai découpé donc les petites cloches dans le papier design, et puis un super tamponnage que j'adore, qui d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, vient de ce set de tampons Noël en chanson, qui est juste trop beau. On va pouvoir s'éclater pour les cartes de vœux, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors, j'adore. En plus, on a plein de polices d'écriture différentes. Je trouve ça super sympa. On est sur du tampon en caoutchouc. Je les aime beaucoup, ceux-là. Voilà. Donc, Noël en chanson. Faites-vous plaisir. Vous allez voir. Vous allez pouvoir faire plein de créations avec. Journée de 10 heures, ça fait long, hein, Fabienne. Waouh. Je t'admire. Donc, pour ce fameux panneau ici. Là, il nous faut quelques papiers. Je vais vous redonner tout ça. La mer t'appelle. Gros bisous, ma routine et m'amour. Profitez bien de la Normandie. Je vous embrasse très, très fort. Gros bisous, ma belle. Alors, nous avons besoin d'un papier de matage, donc, pour cette partie-là. Ok. Donc, ici, j'ai pris du blanc, hein, tout simplement, pour casser avec le... Comment dirais-je ? Avec le mystérieuse brume. Et ce morceau dont j'ai oublié de marquer les mesures fait voilà 9,9 par 9,5. 9,9 par 9,5. Tu comprends pourquoi? Plus le temps de scraper et les week-ends blindés. Oh oui, comme je te comprends, mais il est important aussi de t'accorder un petit peu de temps. Même une petite heure de scrap. Tu vas voir, ça va te faire un bien fou. Donc 9,9 par 9,5 pour le papier de matage sur le dessus de la carte. Un morceau de papier design. Donc vous le savez, terre en beauté, vous avez vu comme il est beau. Qui va venir ici et qui mesure, en toute logique, 9,4 par 9 cm. Ok, jusque là, rien de compliqué, on est d'accord. Je vais venir coller ça tout de suite, comme ça je serai tranquille. Hop.
Alors, comme d'hab, je me bats avec mon truc. Donc, si lui ne veut pas, ce n'est pas grave. Je vais en prendre un autre vite fait. Voilà. Ça m'évitera de me mettre de la colle partout. Hop. Voilà. Je viens coller mon papier design. Il est vraiment trop beau, ce papier. J'adore. Hop. Et je viens le coller sur l'avant de ma carte. Là, je peux, c'est pas un souci. Ok. Ça, c'est nickel. Déjà, ça commence à être assez sympa. Ça devrait être bien. On va partir sur un thème un peu différent. Ensuite, je vais m'occuper de mes petits carrés qui sont ici. Donc, ceux qui vont retenir la carte. Oh ma petite Béatrice, je suis désolée ma belle, tu regarderas le replay et encore une fois, bon stampiversaire, parce que Béatrice est ma filleule depuis maintenant un an, elle a fêté ses un an hier, donc je te fais plein de gros bisous ma belle. Le papier de matage, je suis restée sur du blanc, hein, toujours pour trancher, 4,7 par 4,8, hop, voilà, donc, je trouve le... dans l'autre sens, ah, ça joue à 1 mm près, hein. Voilà, et les morceaux de papier design, 4,2 par 3,9, hop, et ils viennent dessus, c'est parti, vous pouvez vous amuser à modifier un peu les mesures, je pense à toi Elsa, si tu as eu un bug de quelques millimètres, n'hésite pas à changer, hop, alors, est-ce que c'est dans ce sens-là ou dans celui-là? Voilà, voilà, voilà. J'ai des petits bourrelets de coupe sur les côtés, donc je vous l'avais déjà dit, si ça vous arrive, vous passez votre plioir juste sur les bords du papier. Voilà, comme ça, ça aplatit les petits boulets, les petits bourrelets qui pourraient remonter au moment de la coupe. Donc ça, ça viendra là. Voilà, je vais coller celui-ci. Hop. Simplement et je vais venir coller ces ensembles sur mes petits carrés. Si le cœur vous en dit, je ne voulais pas proposer dans les mesures, mais vous pouvez aussi vous amuser à décorer l'intérieur de ces carrés et puis l'intérieur ici, hein, bien sûr. Vous le savez, je vous propose toujours un projet de base que vous adaptez comme vous le souhaitez. Hop, voilà. Je viens coller ça. Voilà. Voilà. Là, ça y est, on commence déjà. Nati, je ne sais pas si la technique peut fonctionner sur tes bourrelets. Je vais déjà tester sur les miens, puis je te dirai. Ça te va? Oui, je fais la grève de la colle. Voilà. Il y a des jours comme ça, je joue ma rebelle. C'est rare, hein. Pour moi, c'est très rare de jouer ma rebelle, mais ça m'arrive de temps en temps. Alors, il nous faut bien sûr, vous le savez, un morceau de papier blanc quand on a pris une base de couleurs pour pouvoir écrire notre petit message, bien sûr. Donc, cette base de carte est ici. Elle mesure, je l'ai là, 14,2 par 9,9. La première qui réussit prévient l'autre. Pas de problème, Nati, compte sur moi. On se tient au courant. Donc, le morceau de papier blanc, tu me fais bafouiller du coup. 14,2 par 9,9 pour l'intérieur. Si vous voulez rajouter un petit message sur votre carte, je vous invite à tamponner d'abord et à coller ensuite. Ok ? Donc, je viens coller mon morceau de papier. Hop. Tout simplement... On se calme, on va coller ça droit, ça serait bien. Attendez deux secondes, je regarde si j'ai pas de message de mon petit frère. Ah non, pas encore. Voilà, hop. Donc ça c'est bon. Voilà, voilà. J'adore ce bleu. Je trouve ça trop beau. Et du coup, il nous reste donc... la petite carte qu'on va mettre au-dessus. Donc ici, j'avais pris du rouge-rouge en matage et le blanc pour bien tout faire ressortir. Vous avez vu comme c'est mignon.
Hein, voilà, donc ça, je l'ai préparé un petit peu en avance pour faire gagner du temps à tout le monde. Ici, nous avons un morceau pour la petite carte qui mesure 12,4 par 8. 12,4 par 8. Donc, elle viendra ici. Hein, vous aurez compris. Voilà. Et le morceau de papier blanc avec votre déco. Donc là, en fait, vous avez vu, c'est une découpe. Vous avez vu comme c'est beau. Une découpe que j'ai faite avec les poinçons, bien sûr, de la collection Terre en beauté. Et je vais vous montrer ça tout de suite, du coup, parce que je ne vous les ai pas montrés tout à l'heure. Voilà, ces belles découpes d'arbres. Vous avez vu comme c'est beau? Il y a vraiment, vraiment de quoi s'éclater. Et on a bien sûr le set de tampons coordonnées. Donc là, vous pouvez vous amuser aussi à faire des petites tâches comme j'ai fait ici, en fait, dans ma découpe. Voilà, j'ai tamponné des petites tâches pour imiter donc les feuilles de l'arbre. On peut jouer avec les couleurs, on peut jouer avec plein plein de choses, donc c'est super joli. Donc je l'ai collé bien sûr en 3D. Ok. Ici, c'est un tamponnage tout simple qu'on a dans le set de tampons, hein, bien sûr, pour simuler la terre, par exemple. Voilà. Alors, Véronique, quel papier j'ai utilisé? Dis-moi tout. Si c'est pour la première carte, c'est pain d'épices et bonbons. D'accord? Et pour celle qu'on est en train de faire ensemble, c'est la collection Terre en beauté du catalogue annuel. Tu trouveras toute la liste des produits en fait dans l'article de blog que je vais publier tout à l'heure. Il y a tout un tableau en fait avec tous les produits que j'ai utilisés pour les deux versions. Ok? Et du coup, tu peux les ajouter, tu peux cliquer dessus et du coup, ça t'ouvrira directement le panier sur la boutique en ligne par exemple. Donc, bah, c'est parti, je vais coller tout ça hop, sur ma base de cartes. Béa, les bébés se font attendre. Oui, oui, il se fait attendre. La pauvre, elle est à la clinique depuis 5h30 ce matin. Ça fait tôt. Enfin, 5h30 pour eux, 6h30, 5h30 pour eux, 6h30 pour nous. Parce qu'on a, on a une heure de décalage. Hop. Voilà, je viens coller tout ça avec mon petit relief et tout. Ça donne super bien, je trouve. Et je vais venir coller tout ça ici. Il suffit d'un rien pour que ma carte soit habillée. J'adore ça. Vous pouvez le coller en 3D ou directement à la colle. N'oubliez pas de ne pas mettre de la colle partout parce qu'on a besoin que ça, ça reste ouvert. Ne vous faites pas avoir. Ça peut arriver, bien sûr, par inadvertance. Alors, hop, voilà. Je sais que je vais m'arrêter à peu près là. Voilà, comme c'est un peu épais, je vais en remettre un peu plus. Hop. Et c'est parti, je viens coller tout ça ici. On essaye de centrer. Voilà. Du coup, là, c'est bon. J'ai pas mis ma colle en dessous. Hop. Tadam! On a la deuxième carte qui est faite. Ça y est, ça y est. Regardez ça, un peu les deux thèmes différents. C'est pas sympa, franchement. On est dans deux couleurs complètement opposées. Bon, ok, il y a un petit peu de vert quand même. C'est pas à 100%. Hein. Du coup, hop, on a les petites clochettes qui vont se mettre comme ceci, qu'on va pouvoir poser. Il faudrait que je puisse l'incliner pour que vous voyez mieux. Est-ce que si je fais ça... Non, ça aide pas beaucoup. Bref. Hop, et donc la seconde. Hop, voilà. Même principe. Qui va pouvoir se poser pour être maintenu. Hop. Voilà que le ou la destinataire va pouvoir donc exposer puisque la personne sera fière d'avoir reçu une belle carte de votre part. Oui, Flo, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir et bon courage pour cet après-midi, ma belle. Voilà, voilà, ça y est, on a nos deux cartes. Vous avez vu, je vous avais dit, c'est super simple à faire.
Et du coup, il y a tellement de possibilités, n'est-ce pas? Alors, vous allez utiliser quoi comme collection? Moi, j'ai hâte de voir toutes vos créations en commentaire sous le live jusqu'à demain soir pour voir les collections que vous allez utiliser, les petits trucs en plus que vous aurez mis. Vraiment, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir tout ça. Je suis sûre que vous allez me faire des petites merveilles et que j'espère que ça vous plaît vraiment de tout cœur. Oui, pour un porte-menu aussi, Fabienne, c'est une super idée, t'as raison. Ça ne m'était pas venu à l'esprit, mais ça peut être une super idée, effectivement. Pour celles et ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, hop, parce que j'ai reçu un message privé là, en même temps que je vous parle, pour avoir la question. Alors, je vous remontre. Je vais changer ma caméra, par contre. Hop. Je suis obligée de me baisser, est-ce que ça se cache? Le calendrier de l'Avent que je vous propose, le nouveau kit que je vous propose. Alors, attendez, ça marche à l'autre sens. Voilà. Voilà, voilà. Un modèle un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Les gnomes ne font pas partie du kit. Attention. Et les inscriptions sont donc ouvertes en ce moment pour réaliser vous-même ce calendrier de l'Avent. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai encore passé un bon moment avec vous. Ça fait du bien de vous retrouver. Et comme je le dis souvent, même si avant de démarrer, je suis un petit peu stressée ou un petit peu fatiguée, ben en fait, une fois que je suis lancée et que je vous retrouve, et ben tout de suite, ça va mieux. Et ça, c'est vraiment grâce à vous. Merci Delphine. Oui, j'ai vu que tu t'étais inscrite et tout. Super, merci beaucoup. Vous êtes pas mal à vous être inscrite déjà, donc maintenant je vais jouer de la manivelle pour découper tous ces chiffres et ces nombres. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. N'oubliez pas, oui Véronique, j'ai vu aussi, merci beaucoup. N'oubliez pas donc de partager vos créations en commentaire sous le live jusqu'à demain soir. En haut de la publication, là, de la vidéo, vous avez donc les liens, pourquoi pas rejoindre mon équipe si ça vous dit, parce qu'il y a plein d'avantages et du coup, on est une petite équipe assez sympa, je vous assure. Vous avez aussi le lien vers l'article pour le calendrier de l'Avent, et puis vers ma boutique, et voilà. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut. Léa fait une grande sieste pour Harmonie. Et bah tu remercieras Léa d'avoir laissé mamie rester avec nous. Ça m'a fait grand plaisir. Tu lui fais un gros gros bisou. Voilà, vous avez tous les liens en haut de la publication. Postez vos créations avec le hashtag HarmonieScrap sur vos murs, vos profils et surtout en commentaire en bas. Et je ferai donc un tirage au sort vendredi pour que vous puissiez gagner, hop, l'une de ces deux cartes. Voilà, vous choisirez celle qui vous plaît le plus. Voilà, merci beaucoup, oui effectivement Fabienne, merci beaucoup à Mumu qui a très gentiment encore une fois partagé avec vous les mesures de la création d'aujourd'hui. Merci ma petite Mumu, t'es un amour. Et Rachel, peut-être qu'il faudrait essayer depuis un ordinateur ou depuis un téléphone portable selon ce que vous utilisez, ce que tu utilises. C'est quand même très bizarre. Ou alors c'est parce que t'es pas abonné à ma page directement et du coup t'es peut-être pas autorisé à commenter. Il faut se pencher sur la question, ma belle. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente après-midi. Prenez bien soin de vous et puis on se donne rendez-vous très très vite pour de prochaines aventures. Les VIP, restez à l'écoute. Très très vite, je vous annonce un projet exceptionnellement pour vous. Gros gros bisous, bon après-midi à toutes et à tous, je vous embrasse. Ciao !